Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Viseur. Alors ici c'est le colonel pour Schmup et Moll et on est parti pour l'épisode 4 sur Void Gore de Eastasia Soft. Alors on avait commencé la rubrique hein, dans le viseur avec un jeu d'Eastasia Soft et c'était Z-Warp. Alors ce jeu là, Void Gore, hein, le jeu d'aujourd'hui, c'est le proto. C'est le proto de Z-Warp. Par contre... Il est vraiment très différent au niveau du déroulé de jeu, c'est simplement qu'au niveau gameplay, au niveau de l'idée centrale du gameplay, les deux jeux, ils ont un ADN vraiment commun, mais vraiment identique, hein, on va dire. Alors, on aura donc la fameuse bombe qui va se recharger toute seule et qui va permettre d'éliminer les boulettes et les ennemis qui rentrent dans son sein, qui est représenté par le cercle à l'écran qui grandit. Alors, donc là, on rentre dans un tutoriel. Alors, le cercle, il est bloqué là, hein, un certain pourcentage. Vous le voyez sur la droite de l'écran, dans l'affichage à droite de l'écran, il est bloqué là à 76%. C'est pour vous faire une démonstration sur le tutoriel que le jeu le fait comme ça. Pour pas la rendre complète la bombe. Parce que quand elle est complète, quand elle arrive à 100%, le cercle il va flasher en rouge et bleu là. Et en fait, il va vous permettre de détruire les ennemis. Alors, en attendant, tant qu'il est pas complet, on peut déjà l'utiliser pour détruire les boulettes. Ça marche toujours. On peut toujours détruire les boulettes qui sont dans son rayon d'action. Mais par contre, quand elle est complète, là comme vous avez vu, là, si on englobe les ennemis dans notre rayon d'action, on va les détruire, enfin, on va les détruire. Alors, il y a un tout petit cooldown entre l'utilisation de la bombe et le fait qu'elle commence à se recharger, mais vraiment rikiki. Hein. Et donc, il faut voir que la bombe, il va vraiment falloir l'utiliser beaucoup. Alors moi, je vais le faire assez mal cette run, parce que c'est une run de base, hein, qu'on va dire, comme le principe de l'émission le veut, c'est-à-dire que je rentre dans le jeu, là, comme ça, sur une... Première fois que je joue au jeu, quoi. Et donc, je vais assez peu penser à déclencher la bombe. En tout cas, j'aurai pas ce genre de réflexe. Par contre, à côté, faut voir que sur les premières vagues, c'est pas forcément super nécessaire non plus. C'est juste qu'il va falloir commencer à l'utiliser en survie, hein, quand il va y avoir des choses qui vont vous arriver à la tranche pas trop prévues. Parce que comme je vous disais dès le début, c'est en fait au niveau du jeu, c'est du endless loop, hein, et à base d'aléatoire, avec des vagues ennemies différentes qui vont vous être envoyées à la tranche, donc caravan stage style. Par contre, avec de l'aléatoire, et ça, c'est pas stage style. Alors là, vous voyez les bonus hein, qui pop à l'écran, qui arrivent de façon également aléatoire. Hein. Alors ça, d'une run à l'autre, vous allez pouvoir avoir des bonus vraiment très efficaces dès le début, et des fois moins. Alors quand l'indication de level up s'indique sur votre vaisseau, c'est-à-dire que vous changez d'étage de jeu, et donc là, c'est représenté par le terme hell. Hein, comment faire? C'est les étages de l'enfer pour eux. Alors ça, c'est les niveaux. Hein, en gros, vous augmentez de niveau plutôt de rank. Et en fait, il faut voir que chaque prochain tableau va vous demander davantage de destruction ennemie pour pouvoir passer au prochain. Hein, c'est de plus en plus restrictif, on va dire, il va falloir de plus en plus faire d'efforts, plus en plus rester à l'écran longtemps. Voilà. Globalement, c'est ça l'idée. Alors, les vagues donc sont aléatoires, mais par contre, les patterns, eux, ils peuvent être aussi aléatoires, les patterns, hein, suivant les ennemis qui vont balancer tel et tel pattern. Mais par contre, je veux dire, ils vont s'accélérer de plus en plus suivant le rank des niveaux. Hein. Plus vous allez aller dans un enfer élevé, avec un niveau élevé, plus l'adversité va aller vite, plus les patterns de boulettes vont aller vite, et compagnie. Ça va se compliquer, bien sûr. Et jusqu'à un niveau où ça peut devenir assez fou, parce que ça, c'est a priori illimité, hein, on peut aller jusqu'à en faire illimité, ben, il faut voir qu'à un certain niveau, passer à un certain niveau, ça va vraiment devenir fou. Alors pour l'instant, c'est encore assez bien lisible, et on voit qu'il y a une meilleure lisibilité que dans le jeu Z-Warp, hein, parce que la palette de couleurs, elle est plus restreinte ici. Et du coup, je trouve que le mélange est quand même plus heureux, il fait déjà moins mal à la rétine, c'est moins carnaval, et surtout, il y a une meilleure visibilité. Par contre, il faut voir que le vote tir, hein, il est bleuté de certaines façons que vous voyez que certaines boulettes là, les boulettes qui flashent qui sont passées à l'écran, hein, on va en voir d'autres plus tard, je vous en reparlerai, et ben vont vite se confondre avec votre tir frontal. Et ça fait que des fois les boulettes, si elles sont assez frontalement, elles arrivent vers vous, vous les verrez pas forcément si bien que ça. Ça va pouvoir vraiment les masquer à un niveau où ça devient problématique pour moi. Donc ça c'est un des problèmes du jeu que j'ai remarqué dès le début. Voilà les boulettes là. Ces boulettes là qui vous étaient envoyées dessus là, qui clignotaient. C'est un peu le même principe avec les grosses là, c'est les mêmes couleurs, hein, sauf que ces grosses là, ben évidemment, vous les voyez quand même venir, vu la taille qu'elles ont, on ne peut pas trop les rater. Mais les plus petites, eh ben, elles peuvent se confondre avec votre tir frontal, encore une fois, ça c'est... Alors, on récupère de l'argent. C'est pour acheter des améliorations off-game. Alors ça, c'est donc une importance assez faible, hein, on va dire globalement, parce que même si vous arrivez de base, et je crois que c'est dans cette partie c'est un peu le cas, j'ai dû augmenter quelques trucs. Hein. Alors bon, là on arrive au niveau 10 et j'ai acheté justement dans la boutique le fait de pouvoir arriver à ce boss. Hein. Il faut l'acheter dans la boutique ça. Et donc ça fait qu'au niveau 10 d'enfer, quand vous y arrivez, ben, vous allez arriver sur ce boss là. Alors là c'est la première fois que je me l'affrontais et on voit que bon, les patterns sont pas ultra difficiles mais ils sont assez rapides quand même. Vous voyez que c'est un mix entre manique et old school. Hein, dans un délire un peu, je sais pas moi, d'un petit run si on veut, bon,
pas vraiment, mais enfin, je veux dire, c'est un genre de rapidité sur certains patterns, là pas du tout par exemple, hein, je suis assez ridicule, mais hein, je pense que c'est aussi aléatoire, hein, j'imagine, sur lui, genre, je crois pas que j'ai raconté depuis, parce que j'ai pas vraiment rejoué, mais faudrait que je le fasse, parce que ce jeu, je l'ai vraiment bien aimé, donc je pense que j'y reviendrai très vite, et de toute façon, c'est facile d'y revenir assez vite. Bon, vous avez vu, il y a plusieurs phases, et en fait, je pense qu'elles doivent être assez aléatoires, ces phases de patterns qu'il vous balance. Par contre, lui, il a quand même un niveau de difficulté qui doit pas trop varier, puisqu'il arrive toujours sur le même enfer, c'est-à-dire le niveau 10. Hein, pour alors par contre, quand on l'achète pour l'affronter au niveau 10, et c'est écrit dessus, hein, quand on l'achète, que c'est pour le niveau 10, est-ce qu'après il revient dans les niveaux multiples de 10? Ça, je pourrais pas trop vous dire. Là, on va pas le voir, parce que je vais même pas atteindre le niveau 20, je crois, sur cette run. Bon, vous avez dû voir, il y a des ennemis redondants, hein, bien sûr, qui reviennent. Il y a quelques types d'ennemis popcorn qui vous arrivent sur... Il y en a une dizaine peut-être différents, plus après des ennemis un peu plus clés, là, qui vous envoient, eux, des patterns à la tronche. Comme celui-là, par exemple. Des patterns ou d'autres ennemis, d'ailleurs, popcorn, hein, pour voir. Bon. Après, vous voyez, comme je vous disais, là, les boulettes qui étaient arrivées de face, là, elles étaient pas forcément super lisibles sur le tout. Alors là, comme c'était une grave carrière dans la gueule, mais par exemple, celle-là, les boulettes uniques, il faut y faire attention, voilà, c'est ça que je vous signaler. Que sur ces phases là c'est là que ça peut devenir un peu compliqué, et donc en plus de votre tir frontal vous devez remarquer vous avez un missile hein, qui part à intervalles assez réguliers complètement même, mais avec une cadence qui est donc augmentable pareil avec toutes les upgrades. Les upgrades que vous obtenez c'est les lettres hein, quand les bonus pop de façon donc aléatoire. A priori je pense pas qu'on puisse agir vraiment dessus, moi j'ai pas, bon je peux pas le dire, j'ai pas vraiment beaucoup joué encore au jeu donc comme ça là le ressenti c'est que ça a l'air complètement aléatoire. Donc en fait là par exemple le H ça doit être un cœur, ouais on le voit sur le côté gauche. Alors les cœurs c'est les points de vie hein, parce que vous n'avez pas d'extinct dans le jeu, vous avez des points de vie. Donc à 0 vous êtes encore en jeu, par contre à 0 vous prenez un hit et ben c'est le game over. Hein. Donc on peut récupérer donc des points de vie comme vu, parce que j'avais déjà pris pas mal d'impact, et ben là j'en prends un d'ailleurs. Et vous voyez j'ai pas déclenché la bombe qui était complète, j'ai pas de réflexe là, je suis plus dans le jeu dans le sens où je me dis mon tir est bien efficace. Là j'ai c'est une partie où j'ai eu pas mal d'upgrades qui étaient cool, qui sont vite arrivés, et du coup ça m'a vite boosté mon tir à un niveau où j'ai pu vite traverser les premiers niveaux. Je pense que ça arrivera pas du tout forcément sur toutes les parties, c'est quand même pas mal aléatoire ce jeu, ça c'est un peu un problème comme... Voilà, vous avez vu cette salve, comme elle est sortie là par exemple, vous voyez déjà au niveau 14 comment ça peut... Hein, repassez-vous le, la salve juste avant, il y en a une vers le bas, là, il m'a envoyé des météorites à 4 directions là, heureusement que j'étais pas sur la trajectoire, hein, parce que j'ai déclenché ma bombe après en survie, mais j'étais dans la cible, si j'étais sur la trajectoire de la boulette. Donc bon, il y a ça, c'est que comme il est aléatoire et aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a de l'aléatoire un peu partout dans le jeu. Les vagues ennemies sont aléatoires, mais les patins qui vous envoient aussi, et du coup ils peuvent aléatoirement être vraiment très compliqués, et d'autres à côté sont assez mous, donc vous êtes pas trop sur l'attente, et puis d'un coup, bam, vous voyez, par exemple, le premier qui est arrivé là, et après à côté de ça, les autres ils sont un plutôt mous, hein, avec des patins qui vous suivent, avec des boulettes un peu bizarres qui vous suivent un minimum. Alors c'est pareil, il y a des comportements de boulettes, comme elles ont toutes la même couleur, comment s'imaginer que certaines boulettes vont avoir un comportement différent que d'autres? À un moment donné, ça va vraiment vous piéger, ça. Hein, donc, hein, je pense que je sais pas si je suis très clair avec ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines boulettes, vous avez pas dû remarquer encore, moi je lis le jeu là quand je le vois. Il y a des boulettes, elles ont des comportements des fois un peu bizarres. C'est-à-dire, elles vous arrivent dessus, tout à coup elles changent de trajectoire. Hein, alors qu'elles étaient déjà lancées dans un certain mode. Et pas toutes du tout, ça arrive à aller dans 10%, 20% des cas là, peut-être que c'est pas du passé à l'écran. Là. Hein, et bon, j'estime ça à la super louche, hein, s'il faut c'est moins que ça, je ne sais pas dire. Bref, j'espère que vous me suivez, et je veux dire, ça là, ça arrive aussi à l'aéroport. Donc, comment prévoir tout ça? Ben, un peu pas trop, hein. Même en connaissant le jeu, je pense, un peu plus loin, n'étant plus... Parce que c'est vraiment à base d'aléatoire, hein, pour moi. Donc ça, c'est un peu le bémol que je mettrais, parce qu'à côté de ça, le jeu, il est super. Vous avez vu, là, deux bonus d'affilée, là le jeu, il est super, l'ambiance, elle est bonne, on rentre bien dedans, même là, avec la zik et tout, comme elle est bien... C'est bien adapté, en même temps c'est bien tonitruant, bien tonique comme il faut pour aller avec l'action qui va de plus en plus être frénétique. Hein. Et puis le jeu c'est du pur gameplay quoi. Au niveau ergonomie c'est bon, hein, parce qu'à part le menu là avec l'espèce de shop qu'ils ont fait, moi je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Ils auraient dû faire un peu plus où on coche des trucs, on dit allez vas-y passe-moi ça et puis voilà. Mais sinon à part ça, franchement l'ergonomie elle est bonne, on peut recommencer rapidement, hein, le jeu il est en mode minimaliste donc ça pulse vite, en plus on est bien dedans, donc je dis à part les petits problèmes de lisibilité. Derrière l'ambiance elle est vraiment bonne et le jeu en main il est super agréable, il est vraiment on donne un goût de reviens-y, hein. Moi j'ai envie d'y rejouer là, quand je vois ça, donc voilà, je vais m'y remettre dans pas longtemps. Je vais y rejouer, on peut y faire des petites parties comme ça, c'est un peu Caravan Stage style quand même dans l'idée, pour certaines choses quoi. Dans cet esprit là en tout cas, de pouvoir y revenir comme ça facilement, sans vouloir vraiment faire une perf non plus, mais juste pour s'amuser un peu, ben ça franchement ça c'est ressenti que j'ai beaucoup moi quand je joue sur des jeux Caravan Stage quoi, donc un feeling comme ça qui me plaît beaucoup. Et donc bon, il y a des éléments de manique, hein, comme vous avez pu voir, déjà les hitbox réduites, hein, celui de votre vaisseau c'est la boule au milieu, hein, le petit cercle au milieu de votre
vaisseau. Et après, les boulettes elles-mêmes, elles ont aussi des hitbox réduites. Mais après, tous les patterns un peu maniques que vous envoyez à la tronche, c'est plutôt édulcoré. Vous voyez que c'est plutôt un mix de old school avec des fois des côtés un peu maniques qui se veut manique dans l'idée, mais. Hein, c'est beaucoup du old school avec des ennemis qui vous foncent dessus, des boulettes qui sont ciblées assez rapides, hein, des fois de moins rapides, mais des fois vraiment rapides. Des tirs fixes après qui peuvent être voilà, en multidirection, mais bien rapides encore en général aussi. Et puis ça va s'accélérer hein, de plus en plus bien sûr, mais c'est ça l'idée, donc c'est vraiment. Ça va s'endurer de plus en plus à la old school, quoi. Ça va pas devenir de plus en plus manique. Et par contre, ça va devenir assez peu lisible à un certain moment. Bon, là, vous avez vu, par contre, c'est manqué pas de réflexe, hein, encore une fois, ma bombe, hein. Ma bombe, je déclenche pas. Et c'est ce qu'il faut maîtriser pour aller plus loin dans le jeu, parce que moi, là, j'ai juste peut-être un palier de jeu qu'on a un peu de chance d'avoir des bons items, plus je gère pas trop mal, rien qu'avec mon tir et mon machin, mais je gère pas toute la bombe. Bon, là, j'ai bien géré, heureusement, et parce que là, je sais que là, je prends le hit et je suis mort, hein. D'ailleurs, vous avez vu que là, encore une fois, l'ambiance sonore, elle est dynamique, hein, donc elle s'adapte à la situation et... Bon, là par contre, j'avais fait le bon mouvement pour faire le pâté de maison, mais j'aurais dû redescendre plus vite, il y a un ennemi qui m'a ramassé sur le côté, bon, fin de run. Bon ben j'espère que ça vous a donné envie, vraiment, excellent jeu pour moi Voidboard, il est peut-être même meilleur pour moi que Zedboard, parce que j'ai vraiment aimé ce côté de reviens-y quand on veut, un jeu qu'on pourra jouer sur le long terme. Allez, ciao, à plus.